Je suis un militant convaincu. Je m'investis dans des choses auxquelles je crois, je m'engage pour faire bouger les choses. Petit, le chef de bande, c'était moi. Créer une dynamique de groupe, c'était mon truc. Très tôt, le militantisme a été un moteur dans ma vie. En école d'ingé, je me suis frotté au système de la performance à tout prix. Et j'ai découvert davantage le secteur nucléaire. Définitivement, j'étais pas dans la bonne voie. J'ai saisi une opportunité pour vivre l'expérience norvégienne. Et là-bas, la claque. Les ENR représentent quasiment 100% de leur production électrique. C'est dans ce secteur que j'ai souhaité m'engager et je me suis spécialisé dans l'éolien. À mon retour en France, j'ai intégré l'entreprise. Mon job, c'est d'apporter mon expertise sur la faisabilité des projets, identifier, lever des contraintes et garantir une place en file d'attente sur le réseau électrique. Concevoir électriquement une centrale, définir les cahiers des charges avec les ingénieurs projets, suivre les chantiers et superviser les essais. Avec mon équipe, nous sommes présents de la conception d'un projet jusqu'à sa mise en service. L'arrivée des premiers électrons, c'est l'instant de vérité. On sait à ce moment si nos travaux de modélisation électrique ont été bons. Vivre l'éveil de cette centrale, c'est hyper gratifiant. Aujourd'hui, j'ai pu évoluer au sein du groupe. Ce qui me plaît dans mon poste de manager, c'est de faire monter les gens en compétences, d'alimenter les collaborateurs sur des sujets innovants, anticiper les réglementations pour avoir toujours un coup d'avance. Chez Valorem, j'ai trouvé un vrai état d'esprit de pionnier. Ici, les gens ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas juste un job. On partage l'envie de travailler différemment, de respecter les choix de chacun. Le dialogue est ouvert, que ce soit dans le bureau de la direction ou autour d'un panier de légumes. Chaque semaine, les collaborateurs passent leurs commandes auprès de la MAP et viennent retirer leurs colis. C'est un de ces moments de convivialité qui nous permet de créer du lien. Ça fait partie des choses qui comptent ici. L'énergie d'agir, ensemble.